Isabelle Severino aux barres asymétriques, c'est sa spécialité. Troisième au championnat du monde à Porto Rico en 1995. Elle a réalisé un très bon concours, hormis une petite chute à la poutre. Ses trois principales difficultés, valse, le def, le tour volant et une superbe sortie, vrille, salto arrière, Isabelle Severino devrait rentrer parmi les 10 meilleurs de ces championnats du monde. 9-612, Isabelle Severino se classe 10e et c'est excellent pour l'équipe de France féminine qui a terminé, elle, 5e de ces championnats du monde devant les Américaines, championnes olympiques. Isabelle Severino, bientôt 18 ans. Est-ce qu'on a encore envie d'aller très loin en gymnastique ? C'est une bonne question. Je ne sais pas encore tout à fait. Je vais voir. Là, déjà, je vais prendre un petit peu une pause parce que bon, là, j'ai une petite overdose de gymnastique. En plus, je n'ai pas eu non plus que de la chance dans ces championnats du monde. Donc, je vais me reposer et puis je vais voir après. Je vais réfléchir à ça, peut-être reposer.